Chérie, c'est toi. Bonne arrivée, chérie. Merci. Vous avez vite fini aujourd'hui. Oui, oui. Tu as pu faire les versements? Oui, de justesse. Tu sais, les week-ends, les banques ferment à midi. C'est pourquoi je disais de partir tôt. Bon, le plus important, c'est que le versement est fait. Oui. Ouf. Yedi, oui. Quelle est ta réunion de famille? Oh, ça s'est bien passé. Je dois envoyer ma part de cotisation pour la construction de la maison familiale au village. Ah, faut payer au plus vite ta contribution. Tu sais que toute ta famille compte sur toi. Je vais payer. Et les enfants? Ils sont dans le petit salon. J'espère qu'ils sont prêts pour la sortie. Hein? Ils sont même impatients. Tiens, c'est pour eux. De la part de tonton Félix. D'accord, il n'a même pas pensé à moi aussi. Chérie, et la clé de ma voiture? Va vite appeler les voisins. Envoie-le vite à l'hôpital, maman. Je vais prendre mes affaires. Madame Kobi. Oui, docteur. Le cas de votre mari est extrêmement préoccupant. Docteur, mon mari a quoi? Calmez-vous, calmez-vous. Nous faisons tout notre possible pour améliorer son état. Mais docteur, il souffre de quoi? Le diagnostic n'est pas encore clair. Mais les derniers examens que j'ai demandés nous situeront. Vous pouvez aller à l'accueil, ils vont s'occuper de vous. D'accord, docteur. Mais en attendant, achetez rapidement ces deux médicaments. On en a besoin pour tout à l'heure. D'accord. Madame, l'assureur refuse de prendre en charge les soins. Vous devez désormais payer en espèces. Mais madame, c'est depuis quand ça? Depuis ce matin. Ça là, comment je vais faire? Vous voyez ça avec votre assurance. Pour le moment, vous devez payer les analyses en espèces. Analyse là, c'est combien? Les trois analyses font 73 000. Tenez. Seigneur, comment je vais faire? J'ai plus d'argent. Viens à mon secours. Kobi, je vais faire comment? Il y a l'argent dans ton compte. Je ne peux pas retirer pour te soigner. Tout ça parce que tu n'as jamais voulu me donner le code de ta carte. Je fais comment maintenant? Bonjour voisine. Yako. Merci. Yako, voisine. Merci. Yako. Je suis revenue de voyage hier et j'ai appris la nouvelle au quartier. J'ai décidé de venir te saluer. Merci, voisine. Depuis 3 jours maintenant, il est dans le coma. Et l'assurance refuse de continuer les prises en charge. Hey, Yako, ne pleure pas. Ne pleure pas, voisine. Chaque jour que Dieu fait, c'est au moins 100 000 fois que je dépense. Mais et ses parents dans tout ça? Il m'a appelé tout à l'heure pour dire qu'ils viennent tous ici demain. Hey, peut-être qu'ils se cotisent pour t'aider. J'espère qu'ils me viendront en aide.
J'ai plus d'argent pour continuer les soins. Je n'ai plus rien maintenant, rien. Entrez. Doc, il y a les parents du comateux qui veulent vous voir. Fais-les venir. Entrez. Bonjour, docteur. Que puis-je faire pour vous? Docteur, on ne va pas prendre trop votre temps. On est là pour le cas de notre frère, M. Kobi. Ça fait une semaine qu'il est dans le coma. On n'a plus les moyens. On veut l'emmener au village pour le soigner. Si pour blanc n'a pas marché, on va essayer pour noir là. Ah. Depuis quand la médecine traditionnelle traite le coma? Ça peut soigner. Bon, dans tous les cas, je ne peux pas autoriser la sortie d'un patient plongé dans le coma. Ce n'est pas une histoire de moyens ou pas de moyens, mais de déontologie. Ah, c'est pas ça. Je veux être très clair avec vous. Si nous le débranchons maintenant, il meurt. C'est sa mort, vous voulez? Non, docteur. Attends. Donc, si vous débranchez, il meurt. C'est ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi il doit rester sous traitement ici ou je l'évacue au CHU. Attendez, docteur. Si je comprends bien, c'est la machine qui le garde en vie. Effectivement. D'où la nécessité de le garder en milieu hospitalier. C'est pour son bien. Docteur, vous avez raison. On va le garder ici. Voilà, vous êtes raisonnable maintenant. Docteur, on va vous laisser recevoir les autres. Ok. Vous faites tout ce que vous voulez. Vraiment, courage à vous. Vraiment. Merci. Courage à vous. Vraiment. Dédi, si je comprends bien, c'est la machine qui le garde en vie. Mais c'est qu'il est déjà mort. Je vous avais bien dit. Maintenant, vous-même, vous êtes venu, vous avez vu. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais dans ce cas, et c'est bien, que devient-il? C'est quand même un cas de la région, hein? C'est quelle question, ça? Hein? Kobi, c'est notre frère. S'il meurt, mais on récupère tous les biens. Moi, tout le monde sait ça. C'est notre tradition. C'est comme ça chez nous. Ce qui est à lui est à nous. Blaise, tu iras avec les deux. Tu iras avec les deux chez lui à la maison. Vous prenez tous les biens, oui, voilà, pour les mettre en sécurité. En tout cas. Quant à moi, je me charge du cercueil et on se retrouve après. Ok, mais tu n'oublies pas l'uniforme de deuil. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord, allons-y. Qui sonne comme ça, hein? C'est qui? C'est tonton Blaise. Hé, hey, tonton, bonne arrivée. Et ta maman? Elle vient juste d'aller à l'hôpital. Tonton, il y a quoi? Madame Kobi. Oui, docteur. Vous n'avez plus les moyens pour payer les analyses et même les médicaments nécessaires. Docteur, actuellement, je n'ai plus rien. Madame, puisque l'assurance refuse de prendre en charge les soins, je dois vous évacuer au CHU demain pour poursuivre sa réanimation. Ne t'ai pas donné. Et l'ambulance médicalisée vous coûtera 500 000 francs. Ne t'ai. Le séjour, quant à lui ici, s'élève à 2 millions. Ne t'ai pas donné. Faites quelque chose pour moi. Quand un patient plonge dans le coma, c'est la réanimation qu'il faut. Ça coûte très cher en clinique. Sarah, tiens. Appelle les déménageurs, ils vont venir prendre les fauteuils là. Ok. Vous n'avez plus les moyens. L'assurance qui devait vous épauler refuse de prendre en charge les soins. Alors, je dois vous évacuer. S'il était réveillé, je pouvais faire quelque chose. Mais là, je ne peux pas. Je suis désolé. Vous pouvez décrocher. Oui, allô. Allô, maman. Calme-toi pour bien me parler. Tu dis quoi? Les tontons disent que papa est décédé. Il faut te calmer. Ton papa n'est pas décédé. Ils sont en train de tout ramasser dans la maison. Laissez-les.
Je viens. Actuellement, ses frères sont en train de vider la maison. Quoi? Non, mais c'est pas possible. L'Afrique. Maman dit quoi? Maman dit que papa n'est pas décédé. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça fait une semaine que j'essaie de le joindre, que son numéro est fermé. Même pour sa femme. Même moi-même, j'essaie de l'appeler ce matin. Ça passe toujours pas. Assurément que c'est sa femme qui a fermé le téléphone. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, s'il vous plaît, dans quel mois vous avez envoyé notre frère? Quelle est cette histoire de moque? Et puis, c'est qui votre frère? Monsieur Kobi, de la chambre 38. Patientez un instant, je vérifie. D'accord. Là, voilà. Tu parles de fauteuil. Sa télé, pop, pop, pop. Il dit les images sont propres. Moi, là, je vous ai parlé de mon projet, le conteneur. Non, n'oubliez pas ça. Vous, les femmes, vous aimez trop bouger. Pourquoi? L'argent, on a pris. Hein? L'argent, c'est un garçon qui cherche. Monsieur Kobi Kalin, c'est ça? Oui, c'est bien lui. Dans quel mois vous l'avez envoyé? Mais monsieur, pourquoi vous parlez de mort à chaque fois? Mais quelqu'un qui est mort là, c'est où on l'envoie? Monsieur, pour votre information, monsieur Kobi n'est pas mort. Quoi? Il est rétabli. Les médecins l'ont libéré. Ça fait 10 jours. Et il est rentré chez lui à la maison. Mais pourquoi il n'est pas mort?